tanguza na bomo tangu makasi za nanzoto yebisa famitolinga kabango ibosobawa yebisa boyoyo kumisakae kisalo lango nayo kozela te bakufao nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono. Tout le plaisir est pour moi, très chers téléspectateurs, de savoir que vous êtes fidèles à ce programme Sur la haine, la télévision intelligente. Croyez-moi, je me sens heureuse de savoir que vous m'accompagnez. Ma famille, c'est vous. Ma famille, c'est nous. On essaie ensemble d'arranger les choses, de redonner les sourires, de revivre en bonté, en amour, en famille, essayer de sécuriser ce cadre, cette cellule de la base. Un grand merci pour les réactions, pour vos réactions, pour vos messages, pour les suggestions que vous apportez à ma famille. L'amour que vous éprouvez pour ma famille est partagé. De la même manière dont vous nous aimez, nous aussi, on vous aime beaucoup. Nous avons eu à définir la notion de la famille dans les émissions précédentes. La famille inclut le mari, la femme et les enfants. La famille est le premier lieu de socialisation de l'homme. C'est en famille qu'on cultive la paix, l'amour. C'est en famille qu'on apprend tout. Voilà, vous serez d'accord avec moi qu'on peut parler de tous ces acteurs, c'est-à-dire papa, maman et les enfants, sans pour autant faire appel à l'amour. Voilà la raison pour laquelle ce soir, on va débattre sur l'amour en famille. Sur ce plateau, les parents seront représentés par notre maman, maman Chantal Mouefou. Elle est enseignante à la maternelle. En principe, elle devait être accompagnée par son époux, papa Louis Mouefou. Mais suite à une urgence, il n'est pas là, il est seul. Bonsoir, maman. Maman est donc seule ce soir, papa est absent. Bonsoir maman. Bonsoir. Et les enfants également sont représentés à ma gauche par notre sœur Précy Toumba. Elle est juriste et activiste des droits de l'homme. Bonsoir Précy. Bonsoir Fanny. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci. Je passe le micro à Titus Pembele. Il est juriste. Bonsoir Titus. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? Je vais très bien, merci. Maman, vous pouvez passer le micro à Dodo Ekosa. Il est étudiant à l'UCC. Bonsoir, Dodo. Bonsoir. Merci. Et tu peux passer également le micro à notre sœur, la toute dernière, Ange Monod, qui est ingénieur BTP. Bonsoir, Ange. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. En famille, ça va? Ça va très bien. Voilà. C'est quoi l'amour? Aimer, qu'est-ce que c'est? Comment savoir qu'on est aimé ou qu'on aime la personne? Comment cultiver l'amour en famille? Ce sont donc les dessous des questions qui trouveront sans doute les réponses ce soir sur ce plateau. Sans plus tarder, maman Chantal, oui. Pour vous, c'est quoi l'amour? L'amour, selon moi, l'amour est un sentiment agréable qui incite les êtres à s'unir. Soyons vivants. Maman, quand vous nous dites, parlez-nous de l'amour avec vivacité, transmettez ce que vous voulez dire. Oui, c'est aussi un regard positif qu'on a vers l'autre. C'est un sentiment positif qu'on a vers son prochain. C'est ça l'amour pour moi. Merci. Dodo, pour toi, c'est quoi l'amour? D'entrée de jeu, je ne dirais pas expansive. L'amour pour moi, c'est, comme l'a dit maman, c'est un sentiment intime, agréable, qui incite les êtres humains à s'unir, mais c'est aussi une attention soutenue qu'on a vers l'autre. C'est un peu ça. Merci Titus. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, en fait, moi, j'ai une définition un peu simple de l'amour. Laquelle? Moi, je pense que l'amour, c'est être inquiet de la personne qu'on aime. L'amour, c'est être inquiet de la personne qu'on aime. Oui.
Merci. Précis, qu'est-ce que tu en dis? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que je vais aller dans le même sens que maman et tous les autres ici sur le plateau. C'est ce regard positif qu'on a vis-à-vis de l'autre. C'est ce sentiment d'affection, c'est ce sentiment de tendresse, c'est ce sentiment qui nous pousse à comprendre l'autre, à l'écouter, comme on l'a dit juste tout à l'heure, à s'inquiéter pour cette personne. C'est ce qui nous permet de vivre en harmonie en société, dans nos familles, dans nos milieux professionnels et partout où nous sommes. Donc voilà. Merci. Ange, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce que les amis viennent de dire? Merci beaucoup. Moi, je dirais que l'amour, tout d'abord, un sentiment d'attachement pour un être qu'on aime le plus, pour les amis, le membre de la famille. C'est un sentiment d'attachement entre deux personnes qui s'aiment vraiment, entre copains et copines, femmes, entre frères et sœurs, et plus entre, dirais-je, entre collègues, condisciples et confrères. Merci, chers téléspectateurs. Vous serez aussi d'accord avec moi que définir l'amour dépend aussi d'une personne à une autre, mais retenant que l'amour, c'est s'inquiéter pour l'autre, c'est éprouver les sentiments pour l'autre et toutes ces choses-là. J'ai beau aimé vos réactions, mais j'aimerais savoir, les chers téléspectateurs, on aimerait savoir comment on saura qu'on est aimé. Là, c'est une question ouverte. Dodo, comment on saura qu'on est aimé? Partant de cette question, comment on saura quand on saura qu'on est aimé? C'est par l'attention que la personne a vis-à-vis de vous. L'attention que la personne a vis-à-vis de vous. Il y a quelqu'un qui a dit l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Je pense que c'est par ces preuves-là qu'on peut se rendre compte que réellement on est aimé. C'est cette attention, c'est cette capacité-là qu'on retrouve chez soi ou chez l'autre lorsque la personne s'inquiète pour vous. Même en famille aujourd'hui, on sait que quand il se fait tard, à un moment donné, il y a son téléphone qui sonne. On se dit, on se demande où est-ce que tu es, quand est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu fais dehors encore. Ça veut dire que les personnes s'inquiètent pour toi. Et c'est de cette façon-là qu'on peut se dire, oui, moi je suis aimée chez moi, vis-à-vis de mes frères ou de mes parents. Et si on faisait un examen de conscience, soi-même, comment tu peux évaluer ton amour pour les autres? Comment toi aussi tu sauras que toi, tu aimes cette personne? Donne un peu de mes pratiques aussi. En fait, je l'avais déjà dit dans ma définition, aimer c'est être inquiet de la personne qu'on aime. C'est-à-dire, quand je m'inquiète déjà de cette personne-là, je me dis simplement que j'aime cette personne parce que je ne peux pas m'inquiéter d'une personne que je n'ai pas de considération ou d'une personne que ces choses ne me préoccupent pas. C'est-à-dire, au moment où je m'inquiète pour cette personne-là, je me dis que j'aime la personne. Oui, maman. Merci beaucoup. Exprimer l'amour, souvent, c'est difficile. Mais quand on aime une personne, on doit la considérer. La considérer, ne pas lui faire du mal. Chercher à tout prix son bonheur. Chercher à tout prix son épanouissement. C'est ça l'amour. C'est ça, aider quelqu'un à évoluer. C'est ça aimer quelqu'un. Aider l'autre à évoluer. À quitter les bas pour monter. Pour aller plus haut. Vers le bien. C'est ça l'amour, chercher le bien de l'autre. Merci. Chercher le bien de l'autre, s'inquiéter pour l'autre, éviter que le mal arrive. Ne pas lui faire du mal. Ange. Moi je dirais que aimer une personne, c'est facile à le dire, mais des fois difficile à le prouver. Or, pour moi, pour prouver l'amour, c'est juste pratiquer les œuvres de l'amour. Quelles sont ces œuvres? On nous dit que l'amour est patient, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne mérite point. Donc, il suffit de pardonner, prouver à l'autre combien capable de pouvoir le pardonner, peu importe le mal que la personne aurait fait. Donc, c'est un peu ça. Dodo, qu'est-ce que tu peux en ajouter?
Je crois que mes prédécesseurs ont tout dit, mais si je pourrais ajouter quelques mots, l'amour, c'est un sentiment vif. Mmh. Aimer, c'est être là à tout prix pour la personne qu'on aime. Mmh. Être disponible. Ouais, la disponibilité. Mmh. C'est un peu ça. On le voit dans nos familles, on le voit dans nos communautés. Surtout, là, je fais allusion à nos parents. Quand ils nous aiment, ils sont là disponibles, partant de nos faiblesses, partant de nos caprices, mais ils sont là. Ils savent aimer. C'est un peu ça. Christine, qu'est-ce que tu peux en ajouter? Mais bon, comme on est en train de le dire, c'est par les actes, effectivement, qu'on se rend compte qu'on aime ou on est aimé. Et les exemples sont légion dans nos familles. Rien qu'à savoir, lorsqu'on a un peu mal à la tête ou on a des petites douleurs, comment est-ce que nos mamans, elles n'arrivent pas à fermer l'œil, elles n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a un enfant à la maison qui est malade. Lorsqu'il pleut et que tout le monde est à la maison alors qu'il y a un enfant qui est dehors, on appelle pour savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe. Et c'est tout ça, au fait, qui prouve qu'on est aimé dans sa famille. Et même par rapport à nous-mêmes aussi, comment est-ce que l'on se comporte par rapport à l'autre? Mm-hmm. Tout à l'heure, Ange l'a si bien dit, il faut être capable de pardonner. C'est même ça le degré de l'amour aussi. On se rend compte effectivement qu'on aime quelqu'un, pas quand les choses vont bon train. C'est quand il y a des problèmes que tu sais te rendre compte qu'effectivement, j'aime tellement cette personne qu'au-delà de tout, je serai capable de pardonner la personne. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. On continue avec cette émission. On vous entend parler. Savoir qu'on est aimé ou qu'on aime, tout d'abord, on le résume par les actes. Mais une préoccupation. Dans une famille, il ne manque pas de problèmes, il ne manque pas de disputes. Est-ce que le fait d'avoir des disputes entre sœurs, entre frères, entre père, mère, exclut l'amour, maman? Je ne pense pas. Mm-hmm. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ces discussions, ces disputes consolident encore l'amour. Mm-hmm. Quand il y a des problèmes, on doit se mettre ensemble. Mm. On se met ensemble, on discute. Et on voit à qui. On voit la personne qui a mal agi. Mm-hmm. Bon, dans la famille, on ne condamne pas, mais on essaye de dire à la personne que tu as mal agi, comme les enfants ont dit, et on lui demande de présenter des excuses. Mais il y a toujours des problèmes dans la famille. Même chez moi, à la maison, avec les enfants, il y a des problèmes. Mais on essaye quand même de parler les soirs, de discuter, et on voit comment arranger, et ça marche. Dodo. Et d'ailleurs, d'ailleurs, en Lingala, on dit, et là où il y a des personnes, nous sommes différents. Nous sommes différents. Chacun de nous a ses problèmes, a ses préoccupations, a sa façon de voir des choses. Il y a aussi une sainte qui a dit, la vie en communauté, c'est la monotonie des sacrifices. Donc, la famille, c'est une communauté. Donc, nous devons nous sacrifier, nous devons faire des sacrifices pour que la famille aille de l'avant. Dodo. Vraiment. Tu as déjà vu ta mère et ton père se discuter? Bon, oui. Hein. Comment tu as supporté ça? Comment tu as pris ça? Bon, le voir directement, c'est de façon indirecte parce que j'ai mentionné quelque chose. Il y a mon père qui nous a déjà quittés il y a d'ici là 2 ans. Paix à son âme d'ailleurs, des restes mémoire. Alors, on est resté avec notre maman, c'est une femme forte. Quand vous avez dit que, comment voir si on est aimé, s'il y a des problèmes dans la famille. Ma sœur qui me suit, Gaëlle et Kossa, je le salue en passant. D'ailleurs, moi je l'ai dit même, Gaëlle c'est la seconde figure maternelle. C'est comme une mère pour moi. C'est ma petite sœur, mais c'est comme une mère pour moi. Parce que si elle me voit, elle se dit pas que je suis devant mon grand frère, même si j'ai mal agi, mais il me taille. Il me recadre. C'est ça l'amour. C'est avoir un dialogue permanent.
après. Les disputes entre vous en famille, est-ce que ça met en doute l'amour ou... Oui, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, ça arrive pour encore consolider l'amour. Parce que s'il y a des problèmes, on se met en famille, on essaye de dialoguer, on essaye d'arranger les petits béboles et voir qui a raison, qui a tort, et puis recommencer encore les chemins. Ange. Moi, je pense que les disputes en famille n'est pas synonyme de manque d'amour, mais sauf que nous ne pouvons pas demeurer dans ces problèmes. C'est-à-dire qu'il faut chercher toujours à réparer le plus vite que possible. Que cela ne laisse pas les autres, que cela ne fasse pas trop mal aux autres. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on trouve des solutions et on passe. Mais moi, je pense que, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, voir les parents en train de discuter, ça pose aussi beaucoup de problèmes en famille. Je pense qu'une fois, j'étais encore aux humanités à l'époque, au lycée Motema Mpiko, j'ai vu mes parents en train de se discuter. Et je m'étais décidée ce jour-là de ne pas me rendre à l'école. Alors, ça avait vraiment choqué mes parents et jusqu'à ce que mon père s'est engagé pour m'accompagner à l'école personnellement et présenter ses excuses, bien qu'il n'a pas voulu dire ce qui s'est passé à l'école, mais il a seulement dit que ma fille était malade, voilà pourquoi elle est venue en retard. Mais en soi, il savait pourquoi j'avais refusé de me rendre à l'école. Donc déjà, c'est un grand problème que les parents doivent voir et réparer le plus vite que possible pour ne pas désorienter les enfants. Parce qu'à ce moment-là, si mon père ne s'était pas rendu compte le plus vite que possible, il allait me laisser comme ça et ça allait plus travailler en moi, peut-être que ça allait me déstabiliser sur le plan scolaire. Donc c'est impossible. Donc chers téléspectateurs, si vous pouvez comprendre bien, le fait qu'il y a cause à un problème dans Katiandaku, cause à la discussion d'après ce que nos intervenants viennent de dire, et Zali synonyme à cause à bolingoté. Mais ma parent, faut pas salander ma casse, faut pas bloquer wana et persiste à kate, parce que justement ça neutralise, ça démoralise les enfants. Assez souvent, ce sont les enfants maintenant qui sont coupables. Merci Ange, si je peux te résumer, c'est ce que tu voulais dire. Oui. Merci. Précis, qu'est-ce que tu peux en ajouter? Comme la vie, et d'ailleurs j'ai aimé la phrase de maman hein, en disant que la vie en communauté c'est une monotonie de sacrifices. En lingala on dit singa famille et benanaka et katanakate. Pour dire que dans nos communes, on n'est pas parfait. C'est-à-dire chacun de nous a ses petites caprices que l'autre ne peut pas accepter facilement. Mais est-ce que c'est parce que telle personne a ce genre de caprice que moi, je veux taguer? Donc, il faut faire très attention de s'imaginer que parce que telle ou telle autre personne se sont disputées en famille ou dans nos milieux de travail, qu'effectivement, il n'y a pas d'amour. Ange l'a si bien dit, les problèmes, il y en a. Mais le plus important, c'est quoi? C'est votre capacité à vous d'aller au-delà du problème. Les problèmes ne doivent pas nous dépasser. C'est notre amour qui doit être capable de surpasser tous ces problèmes-là et d'arriver à trouver des solutions. Alors, comment on va vivre cet amour en famille? Petit peu aussi. Bon, comment vivre cet amour dans les différentes familles? Je pense que cet amour-là, premièrement, doit être réciproque. Cet amour-là doit être sincère. Dans une famille, si on veut réellement parler de l'amour, on doit trouver l'harmonie. Quand il n'y a pas l'harmonie dans une famille, on dira que c'est quelque chose qui ressemble à une famille. Or, ici, nous, on parle d'une famille. L'harmonie, la solidarité. Nous sommes de Bantou. Chez nous, le Bantou, on parle plus de la solidarité. Ça dit bon mot encore. Lorsque tu as un cœur pour une autre personne, lorsque tu as de l'intérêt, par rapport à ce que... Voilà. L'intérêt commun. Lorsque le fort sont en mesure de supporter le plus faible, de leur ramenant à leur niveau, moi je pense que c'est à ces moments-là qu'on peut parler de l'amour. En famille. En famille. C'est-à-dire, hormis ça, la solidarité, l'amour, je pense que là, on ne peut pas parler
d'un vrai amour. Parce que quand il y a l'harmonie, on sera obligé de se supporter. Peu importe le problème, peu importe la dispute, cette harmonie-là va toujours vous rappeler que nous devons vivre comme ça. Nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Donc, je pense que dans ces sens-là, on peut réellement vivre l'amour dans nos différentes familles. Chers téléspectateurs, vous suivez l'émission Ma Famille. On vient de le dire, ma famille, c'est vous. Ma famille, c'est nous. On essaye d'arranger les choses ensemble. Maman, la même question. Dengeli, tout ce n'est qu'au vivre. Dans l'ingala, comment on peut dire? Qu'au vivre en ingala, qu'au vivre, bolingo na katia libota. Tout ce n'est qu'au vivre, dengeli. Merci beaucoup. Mais na relevé à l'ibosso, ma femme est à l'idispute. Na dispute na katia libota, il faut ce qu'il faut éviter pendant les disputes, ce sont des insultes. Il faut éviter des insultes. S'il y a un problème, vous discutez. Mais si vous insultez, donc, blessez, et pour côté la carte, il y a du beau temps, et puis, et ça va faciliter blessure intérieure et l'ombre. Donc, il faut vraiment éviter la dispute. Et puis, il y a une autre chose pour vivre. Je pense bana basi ba loba ki yango mingi ke ndenge précis à loba ki ezana musicien moko lobi l'amour ne se dit pas mais l'amour se vit hein il y a des œuvres de l'amour alors na kata libota pe esengeli ba œuvre wana ezala mais nga eloka liboso na insiste que tout le monde doit participer aux tâches de la famille. Dans la famille, il y a beaucoup de tâches. Il y a des différentes tâches dans la libota. Pour bongisanda, pour laisser la libota, pour batanga. Papa salam salam alam, maman salam alam, de telle en sorte que libota est un de liboso. Alors, ceux qui manquent à boy pour salissa, libota, bon, il faut exécuter ma tâche à libota, avec ça que libota est évolué. Mais Seigneur n'a dit ça pour que tout vivre, amour, harmonie dans la tâche à libota, tout le monde doit se donner. Tout le monde doit se donner, tout le monde doit se mettre, afin que la famille aille de l'avant. Donc, il y a la vie à famille, tout ça, la maman, l'âme. Papa, pour gaspiller un bon côté. Il y a un bon à libota, pour être les sabana. Maman pour gaspiller un bon côté. Salut la bon malamo. Pour que libote kende liboso. Bana pe. Ba effort ba boti bazo sala. Papa na maman. Pour que botanga. Patanga. Ce qui parle ba yena ba résultat malamo. Libote wosana esengo. Wana toujours vivre vos lingua solo. Mais parce que ce qui ba résultat malamo zate. Na par ya bana. Et que ba boti pe bazo gaspiller un bon. Je pense que vos lingua solo. Wosana kata libote. Merci. Mais maman, une préoccupation. Tout ça, un message, mon co-awa. Ndekouman co-alobi. Yé, azalaka dérangé. Du fait qu'elle se considère. C'est comme si elle est moins aimée par babout naye. Azam, moi, na misat na libout naye. Maman, moi, na bangwa liboso. Azali, moi, si, yé, bali, moi, si, yé, azam, misat, moi, si, li souffre. Alors, exactement, moi, découragement, maman, abana, qui vraiment souffre, prendre soin, na yé, vraiment compter, parce que yé, azale, kouze la, moi, na moubali. C'est comme moi, na wana, bisika, aza. Abi, yé, pour na yé, il y a des dérangeants cahiers, c'est comme si elle ne vit pas l'amour en famille. Amour dans le coup, la maman n'a yé, à Kaboul, à Kabango. C'est comme maman, yé, au la caméra, ou, maman, yé, sort, et biloko, wana, parce que peut-être que, maman on appelle n'a yé kaka. Hein, peut-être. A considérer n'a yé le kaba la nyonso. Mais l'eau quoi, les obétan de kona motema. A binga pour n'a pas un bowling ou kat na libota. Na santa en mote, surtout pas maman n'a yé. Tout quoi, il s'est yé. Tout qui t'osa na bana, et ça pour tous et la intérêt mon koboete. Parce que Seigneur n'a pas eu le sabana nyonso tout, pour te yé bien te baouti na nzambe. Nzambe moutape si biso bango. Et l'on a reçu ma maman ou ba kabula bana. Ba kabula
te bakabola te parce que toza na ba témoignage ebele toza libota moko pembeni ndeko na bango mobali tellement zalaki inutile babanda ko bengeka yo na bato ya balabala ka yo na libota kaka yo lelo notre ici ba bengi sous tricité et kaka yo dodo pe koko na za sa yo longo e komi kaka yo parce que ndeko wana bamonaki ye inutile na libota bamonaki te akopesa bango nini mais lelo oyo na libota wana yo nde mutasimbi libota yo nde mutasimbi libota likamoke babengaka kaka yo siko moye babenge lisusu yo ezate po ye mutakoma kotinda mbongo bakoma kobenga ye papa vraiment bakoma kobenga papa donc na kosenga na baboti toka bola bana te mwana azala mayele azala mayele te moto na moto aza na role na ye akozwe na vie tolinga bana nyonso mpe na kosenga na mwana wana je pense à quoi il faut l'image wana na kacha motema na ye mais mutako ko selisa ya longola image wana kateza mama na ye mutako selisa mais kasi eloko mususu na koloba eza bana mususu pe ba milingi satin na baboti oui nini eza bana mususu pe ba milingi satin pa ya baboti nini mama esengeli mwana milingi sa et pa na biso ba loba mwana oya boya ka etinda te azanga te loko te mwana wa boya ketinda ta zanga eloko te kasi yo makamu nyonso tu basengaka yo yo boyaka oloba kaka te nazanga tante te na kosala likambo boye esengeli nanga nakende boye esengeli nanga nasala boye me yebisanga soki osengi eloko mama wana opesa yo bon merci beaucoup ça c'est et sa réalité je ne peux pas la nier en côté c'est une partie de la vérité je ne veux pas dire que c'est toute la vérité mais c'est une partie de la vérité maintenant moi je pense que ça c'est plutôt un problème d'éducation avant même de parler de l'amour il y a comme Lingisa il y a une phrase que j'aime bien dire l'amour que l'on donne est le résultat c'est la résultante de l'amour que l'on reçoit où est-ce qu'on apprend à aimer on apprend à aimer dans la famille. Et quand na libota na zoe ko la kolinga. Nga na bota mi na kuti papa na mama. Soki ba la ki sanga te kolinga, moyenga pena linga bango ezate. Parfois les parents, ça il faut le dire et je martèle là-dessus, ba se rendra compte na ngote. Moi si je vis dans une famille où ba benga rabatuka na kombo. Maman a pris cet exemple hein. Yo. Na tonga pona ko la musabine ko ma lokola armée. Dis, réveillez-vous, vous allez aller à l'école. Il y a pas de tendresse. Combien d'enfants, combien de parents d'abord on dit je t'aime à leur enfant. Combien de parents, au moment où on a invité ce qui n'a tout, c'est quand la dernière vous avez dit je t'aime à votre enfant. On a l'impression que c'est un mythe, que c'est seulement à son mari qu'on doit dire je t'aime. C'est ça pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on demande, on pose la question aux enfants, combien d'enfants sont capables de dire je t'aime à leurs parents? C'est plutôt quand le papa décède et que la maman décède, le jour de l'oraison funèbre, on dit devant tout le monde, papa, je t'ai aimé de tout mon cœur. Mais on le dit quand? Quand les parents ne sont pas là. Mais pourquoi est-ce que moi, la zolo bango, pendant que les parents étaient en vie, on n'a pas appris à l'enfant à dire je t'aime. Moi, non, quand papa n'a dit zolo bango, je t'aime. Dans la capitale, non? Là, pour t'appeler mon maman. Alors, lui, moi, là, on a tinda maka, nde yo ana salarini, aliaka. Qu'est-ce que moi, là, le bite? Ce qui n'a pas l'inginga, bah, qui singa ko linga, bah, la qui singa yi, ko pardonner, bah, pe singa bolingo, ton boti n'a rien à boire à poigne. Yo, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, la flèche se retourne. Ce que maman dit aussi, je n'en dis qu'on vient pas. C'est vrai, aujourd'hui, quand des fois, même les parents disent, votre ramona, votre ramoté, ramona, c'est une réalité. Qu'aujourd'hui, il y a des enfants, malgré que les parents ont tout fait. Ma parent, bah, l'embi. Je suis une jeune fille, j'ai grandi dans la famille, j'ai des amis, je connais les parents de mes amis, et je vois tout ça. Je ne peux pas nier ce fait-là. Que, d'un côté, il y a aussi ces enfants où les parents ont tout fait. Mais mon unique parent, à l'embi, à Kuminaï, à Souka, à Lobi Kranzambe, mais d'un autre côté, je reviens aussi pour marteler là-dessus du côté des parents. Moi, je pose la, je regarde la caméra, les parents qui me suivent, qui me répondent. Combien de parents disent je t'aime à leurs enfants? Combien des parents étaient capables de leur dire? Les enfants ne seront pas capables de le dire. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux a vu ce angoté. Le jour où il n'est pas mon papa mon ni mon fils, comment tu vas? Viens,
tu as l'impression que c'est extraordinaire, alors que c'est des petites choses. C'est comme ça que ça commence. Moi, je suis aînée chez moi, j'ai 4 garçons, mais quand mon père m'appelle et que je ne suis pas au pays, par exemple, tu sens qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui t'aime, tu sens cet amour. De sorte que même quand je suis loin, je sais que mon père, c'est toute ma vie, je sais que ma mère, c'est toute ma vie, parce qu'on m'a donné cet amour-là. Puisqu'on me l'a donné, je suis capable de remettre cet amour-là en retour, d'abord à mes parents, mais aussi à mes futurs enfants. Merci, c'est tous. Maman, vous vous battez ça? Ah oui. Oui. Je battez ça parce que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vrai, pressé à l'oublier. Il y a la part des enfants, la part des parents. Des parents. Mmh. Moi, je sais, dans ma famille, j'ai une fille qui s'appelle Marie-Joseph. Mmh. J'ai la famille. Mmh. Alors, un jour, chaque fois, je lui dis que Marie-Joseph, tu es très jolie. Tu es belle, je t'aime. Mmh. Alors, un jour, elle est partie visiter sa cousine. Arrivée là-bas, le mari de sa cousine lui dit que Marie-Joseph, toi, tu n'es pas belle. Hein. C'est ta soeur Michael, je la salue, qui est plus jolie que toi. Non, ne dis pas ça. Ma mère me dit toujours que je suis belle. Mmh. Et c'est moi la plus belle de la maison. Ça, oh, par exemple, chers téléspectateurs, chers mamans, chers parents, ça, par exemple. Oui, il y a la part des parents et la part des enfants aussi. Mmh. Donc, du Seigneur, ce Seigneur va à tout bon Donc, vous comprenez, non, chers téléspectateurs, il ne faut pas rejeter la faute seulement à une partie et laisser l'autre, c'est-à-dire par les deux parties, et c'est ma responsabilité. Ma parent peut la côté de la bango, ma bongisa, ma la peut côté de la bango, ma bongisa. Qui a encore ajouté? Pitous? Bon, si je peux ajouter par rapport à Bolingo, ma parent, c'est Nili Bazalango, pas Bana. Tout Bolingo, Ban, c'est Nili Bazalango, pas ma parent. Donc, il y a un exemple vraiment clair. Imaginez-vous, moi, là, à côté classe. Ça peut être la deuxième secondaire. Signature à bulletin, papa a été. Première période a été. Deuxième période, papa a été. Donc, à qui la troisième? Si, peut-être, comme la cinquième des humanités, papa n'a jamais co-signé le bulletin. Vous pensez que moi, là, on a le balingi? C'est-à-dire, il y a un signe à carte. Ou soit papa benga professeur Kingandi, professeur Kingandi, signalez ngai moi na wana yebisa ngai kaka so azu combien. Combien de parents oyoyo balukara ba baba na bon réellement ba la problème ni. Toi tu as un enfant oyo qui n'a pas sa 7h à 18h. Dans lui professeur au mieux il a l'aise quand il est à l'école. Soit azumi na ndaku donc a omi na monde mususu. Pourquoi papa aza Goliath? Maman azali karaba la sorcière. Vous pensez que moi na sobotingé facilement okay, parce que c'est dit que je suis pas aimé dans ma famille. Bon neni ngala na zungi c'est la bango sanson ne logo bon bossé la ngati. C'est la même chose pour nous aussi les enfants. Yo za moi na yo ki na ka université attends la tongo la mukala ne fiske ta ko balé. Pour ça la raté yo za na TP tout le temps TP même quand il y a pas de TP yo za na TP. Pourquoi? Parce que l'ingou qui m'a moussala nanda kunabino. Wana tozonga maman le bi mwana oyoyo atina mara mingi alia marape alia rapé mingi. Donc je pense que ce rozo tina maté. Tu as toujours de raison. Tepe wano yo singa mouko mousso soumbongo ba bisombongo zate pourtant bon ezali. Donc il faudrait que bolingo wana ait la réciproque entre le parent et les enfants. Merci, Ange. En tout cas, comment vivre l'amour en famille? Maman ou tiko le babande ko balobi. Non, bah, ça, que nous, comment que ça, très capital, c'est que la considération fait partie, élément, il faudrait en akat ya libota pour mieux vivre l'amour. Parce que tout le monde a raba, parents mini, a botiba, nami baleni sa tout. Mais la façon dont azo considérer, mon ko détriment à mon souffle, en tout cas, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Maman l'oubli, moi la tine de maramini, elle y a raté mini. Maman toujours fond de binoté. Donc c'est la famille. Donc c'est la famille. Comment est-ce que moi na wana kara ou atine de maramini, parce que maman a censé maîtriser banana et nyons.
connaître même pour la nini moi n'a pas n'a pas n'a pas c'est à dire que moi tu n'as pas de défaut n'a été le bien à 4 de bota peut-être que moi n'a pas ma casse n'a comme mon andak mais tant que maman au kangamara kaka comme la karanda il fait qu'on doit comprendre y est aux autres comprendre en fait moi je dis que c'est une peine au moins on a ça n'a pas n'a pas comme la ndak donc il a passé ma casse maman doit comprendre en haut mais elle doit attaquer plus. À ce moment-là, moi, on a encore manigé à repousser ma raison pour la recommande. Mais seulement que ceux qui maman a s'approché pas à moi, Anna, à l'ouki à comprendre, il est pas nani la nina recommande. Peut-être que ma raison pesait bien. Je donne un exemple dans une famille. Ils ont à moi la moko à souffrir en sinusite. Peu ben des connaissances sinusite, recommande et si qu'à pousser les années, ça cause vraiment beaucoup de tort. Et là, les parents sont censés y connaître. En tout cas, la maman s'en fout totalement. Donc pour naïe moi la linganga qu'on combatte, à se comprendre que moi na, à ça n'a pas si moro boy. Oh peut-être que ceux qui nazo tika eka kanawana plus moi nazo continuer qu'on combatte, plus moi nazo souffrir. On n'interdit pas à ce que moi na combatte. On va aider l'enfant. Attends ce qu'il y a au banané qu'on combatte, mais voir comment est-ce qu'on peut obtempérer en pour que moi n'a pas à la léser. Il y a un enfant à ça la malade a mis sous main. Naïe moi quoi éviter qu'à se bien la mis, ma parent peut m'éviter. Moi, dans un anandak, tout le temps, j'ai mal à la tête. Tout le temps, j'ai mal à la tête. On la demande juste de prendre des paracétamol. Est-ce qu'on a sa considération et pas moi, Anaï? Comment ça fait que moi, on a mis colonion soit à 12 heures, soit à outil classe, à ça, là-bas, mal de tête, moi, je demande juste à mes lacis. Comme un médecin prétend à y oui, ma maman va être censée maîtriser ma notion élémentaire, il y a médecine, ou soit pour la cour. Ça m'a permis soit là-bas en avant, mais quand ça devient de trop faut chercher à quoi il va pour la nini moi n'en ai encore tout passe lorsque moi n'en ai pas que ne voyez que l'on s'y colle liban à comprendre que mon tout passe soit n'a aucun des par rapport à mise toi tu penses que dans la royale les sous n'a aucun tout passe et vous aimez la passe à mon azonné à cet enfant la PCG que maman n'est même pas comment ça fait que n'a pas rien n'a aucun tout passe. Il y a un homme qui a été la parastamol. Il y a un homme qui a été dans l'hôpital. Pourquoi Moutou est ça la capace. Donc, c'est un peu. Ce n'est pas quelque chose. Il y a peut-être un peu de temps à la légère. Ma famille est belle, l'autre, on a divisé. Il y a un homme qui a été divisé. Il y a un homme qui a été divisé. Simplement parce que les parents n'ont pas su gérer la relation entre Bango et Yéna Bana. Gérer la relation entre Bango. Maman Bonko a botti moi nana ya liboso. Mais du fait que a connaître ba stress trop la vie, a continuer ko pesa bo lingoté na moi na liboso. Alors moi na liboso a subir na e kaka ba sort. O ya maman. Moi na mi balaye ba onyo smaye, maman na yo comprendre ki ba lingra moi na. Ba pesa ba moi na moye, ya liboso so kaye maman pesa ka lipa. Maman bio zelana. Ya mi balaye maman pesa lipa. Nelo est salemi, l'obi est salemi. Discussion entre Yana et Yaya Bettingaï. La maman ne demande même pas à Yaya pour la nuit de Bettingaï, pour la nuit de Salemi. La maman commence directement à frapper sur Yaya. Et salemi, le salemi, l'obi, tout ça, bah. Mité, maman, ils aient à faire paix, ils aient à nous être paix, ils aient à souligner tout le matin. Donc, c'est un cœur de chair. C'est-à-dire que, oui, on ne pas se faire. Si on a un thème, on ne peut pas se faire. Dégon zala en angote mais Atikali na dégon et réellement sont ok je fais l'école Atikali pas autant mais seulement que sont raisonnés n'ont pas encore autant à t'aider elles ont raisonné on considère même pas qu'elles autant y a ta boy ça la boy zonga boy on ne sait même pas donner l'attention à moi na yomoko oyoboti pourquoi parce que tu as connu plutôt des problèmes ma maman va me carrément. Je vis que biso bana pe. Biso bana pe toza. Je dirais moi conflit des générations ezalaka. Surtout na ba maman, na ba na bango ya basi. Moi conflit des générations pe ezalaka tombo ya na biso ya ngote.
maman azala pe lenge lokola biso aleka wana biso pe toyé donc et mon maman peut pas comprendre biso que ça n'a encore conçu des générations et pousser bango te ba le maman bé sur les enfants parce qu'il y a de ces mamans où ba le maman penza mabé tellement que quand les cabines en salle on mabé dites-moi ça colle à maman dites-moi si pas maman va aider si moi on est en constat là on mabé moi on a réagi on dégaine alors ma question est-ce que ça évidemment, hein, quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Hein. Hey, mon frère, non, prends le micro, non, c'est fini. Donne d'abord le micro à maman, s'il te plaît. Maman, il y aura un programme Ange à l'Obi. Nayoki Ange. Makambo Ange à l'Obi. Eza, il y a solo. Eza, il y a solo. Eza, Makambo, il y a solo. Eza, Makambo, il y a solo. Eza, Makambo, il y a solo. Eza, donc ils ne sont pas considérés na libota na bango et tant qu'on a considéré que a commis na ekaka bongo biso pe na libota toza na kawana notre deuxième fils madame sou to tunye to bi mais c'est comme si la famille ne t'intéresse pas là quel âge on a. Aujourd'hui, le 20 ans, c'est son anniversaire. Wow. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Oui. Mm. Alors, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 20 ans. Mm. Alors, un jour, c'était... Non, à la veille du carême, hein, les mardis gras. Mm. Alors, nous étions en famille. Papa a demandé à chacun de nous de dire ce qu'on peut faire pendant le temps du carême. Quel sacrifice. Alors, arrivé chez Gaël, bon, moi je vais mettre la propriété. Mm. Alors, total, il est au but, mais chaque fois, quand toi tu prends des décisions au exécuteur en côté, mais qu'est-ce qui ne va pas? Boucha en akatin. C'était sa réponse. Boucha en akatin. Au monde en a le quoi, membre de la famille. Oh! Alors, tout le monde a beaucoup de membres de la famille qui sont là. Je fais ce que je veux. Mm. Alors, tout le monde est à Zarana Posa. À Tazosa, le Kambo est contraire à Libota. Tout interpeller. Et, Ngaï n'a pas eu l'attitude de mourir pour interpeller les sous-soutés. Mais à partir de l'intervention de Ewana, na Zongi, na Lobité, il est enfant comme tout le monde. Donc, je dois l'interpeller, Soka Sali Mabé. Et le lot anniversaire, naye, nous sommes dans la joie. Natounye Natongo, est-ce que Okota Mess a dit? Oui, non, Okota Mess. Na, fais cela intention, Lobi. Oui, fais ça intention parce que je serai là. Donc, ambiance et zongi, Nakati, Yalibota. Makambo Lobi, il y a solo. Il y a des parents au Yobaza pour souffrir, ban, na, bangon, anitim. Les enfants souffrent à cause du manque d'amour de leurs parents. Mm. Les parents ne sont pas présents dans la vie à Bana. Je pense que c'est à l'obat qu'il y a une présence. Mm. Donc, les parents, nous devons être présents. Mm. Même si physiquement on est absent, mais dans les pensées des enfants, et c'est une chose à la présence. De petites choses, oui. Dans alors que vous à la présence, ce qui est à ma larme, envers Bana Bissou. Mm. Et à l'habitude, c'est Ndenge. Et si à l'obaki, que les lots qui n'a koufi, banaba l'obaki, maman, nous t'avons aimé. Et on est dans la koufi, non, y'a reçu au bangote. Mais pas y'a psanga boye, par des petites choses. Mon petit baza, pour ça, moi, n'a y'a dit que maman, je t'aime. Maman, en tout cas, cadeau au pessingaï, n'a sepe n'ango, je t'aime, maman. Mais banaba ose la ka, bisoto l'oba. Moi, pour les petits enfants, je suis d'accord, c'est n'est le parent l'oba. Mais avec des grands enfants comme ça, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Que maman fait, papa fait, à ça la pose à Yoka, à ça y a l'obate. Mais les enfants aussi peuvent apprendre quelque chose de bien aux parents. Oui. Dire aux parents que papa je t'aime. Papa je t'aime. Et ça, papa va te mander, quoi. Et dire au monde à papa Abino chaque jour. Et puisqu'à la fin de l'année, lui dire, oh papa, tu es meilleur papa. Je t'aime beaucoup. Toute l'année, tu dors à la maison, pas ailleurs. Ah. Vraiment, chers téléspectateurs, comme vous venez de comprendre, vous venez de constater,
Parler de l'amour en famille, c'est un sujet vraiment vague, c'est un sujet vague. On peut parler de l'amour en peu de temps. Voilà pourquoi je vous invite à participer, à appeler, parce que ce sujet est tellement vaste qu'on aura de séquences spécialisées. Donc, comme maman vient de dire, on comprend qu'il y a vraiment de quoi parler pour le mari, pour la femme. Donc, et en entendant Ange, donc Ange, on a sous notre plateau, pour tout le monde, c'est vrai, maman, très très bien de l'amour des parents et envers les enfants et vice-versa. Donc, chers soeurs, téléspectateurs, si vous pouvez les comprendre, un sujet tellement vague comme celui-ci nécessite du temps. Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'amour en général, mais prochainement, avec vous, on parlera de l'amour du père et de la mère. Après, on parlera encore de l'amour des parents avec, envers les enfants, vice-versa, l'amour des enfants entre eux. Mais pourquoi pas parler de l'amour de la famille élargie? Parce qu'il y a vraiment de quoi parler, il y a vraiment il y a beaucoup de dessous de cartes qui doivent être soulevés pour arranger les choses dans nos familles. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe technique. Aujourd'hui, on a débattu sur l'amour en famille. Appelez-nous pour intervenir aux prochains épisodes. On attend votre intervention. Appelez et venez participer. Si vous avez vraiment, vous savez que vous avez quelque chose qui peut apporter en plus une pierre pour sauver les familles, venez. Les portes de ma famille sont grandement ouvertes. Un grand merci à la communauté famille chrétienne et à vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. À très bientôt. Voilà, on a fini. Yeah, 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 yeah. Tango zana bomo. Tangu makasi zana nzoto Yebisa fami tolinga kabango Iboso bawa Yebisa boyo yo kumisakae Kisalo lango na yo Kozelate bakufao Nesimo ya kutanda mosolo Kozelate bakuma na bokono La kisalo lango na yo Oh, oh, yo, 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 yeah, 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 yo, 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 tango za na bomoi, la kisabango.